Bonjour à tous, ça fait un bon bout de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne et je m'en excuse. Un manque de temps, un manque de motivation pour le projet, beaucoup de choses se sont produites dans les derniers mois. Je vais vous faire un petit rundown, un petit compte-rendu de ce qui s'est passé et de l'avenir que j'entrevois pour ma chaîne YouTube. Pour commencer, vous l'avez vu, il y a du changement chez moi. Pour ceux qui le savent, qui me connaissent, qui suivent ma page Facebook ou qui m'ont vu en personne, vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai décidé d'affirmer mon identité de genre et de commencer la transition. J'ai commencé en janvier 2018 et ça fait maintenant 8 mois de ça. Ça va très bien, ça va vite. Je ne pensais pas que ça irait aussi rapidement. Et donc, c'est ça. Ça a pris beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, tout ce procédé-là, toutes ces démarches-là. C'est entre autres une des choses qui ont ralenti le débit de vidéos sur cette chaîne depuis bientôt un an. À part de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai décidé aussi de continuer mon élevage. Je vais vous montrer rapido presto. Voilà, donc comme vous pouvez voir, mes tablettes sont toujours aussi remplies. Je ne manque pas de bestioles, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement. J'ai même des mantes du Québec. Des belles mantes du Québec que j'ai eu en cadeau cette année par quelqu'un qui me les a attrapées. Je crois qu'il y en a au moins une sur les trois qui attend des petits. Donc j'espère avoir des petites mantes au printemps prochain. Donc c'est ça. Beaucoup de choses se sont produites et je veux essayer de me remettre dans le bain un petit peu, de continuer mes petits projets d'entomologie comme ça, comme ces vidéos-là, parce que j'aimais vraiment beaucoup ça, faire ça. Ce que j'entrevois, pour l'instant, j'ai un peu plus de temps libre, donc je devrais être en mesure de faire au moins une petite capsule pour me faire pardonner de vous avoir négligé pendant tout ce temps-là. Et je veux essayer aussi de faire plus de vidéos sur mon élevage, donc de faire des suivis d'élevage, de faire des vidéos de nourrissage, des feeding videos, ce qu'on dit en anglais. Donc des vidéos dans lesquelles je nourris mes petits animaux un par un, vous pouvez voir leur comportement, vous pouvez voir comment ils mangent, et vous pouvez voir aussi le temps que ça me prend pour nourrir tout ce beau monde-là. Donc voilà, ça ressemble pas mal au topo de ce qui s'est passé avec Entomo ces derniers temps. Entomo a changé de nom d'ailleurs, c'est devenu Miss Mantis. Je ne sais pas si je vais changer le nom sur cette chaîne, parce que le but principal d'Entomo, c'était de faire des capsules sur Internet, et c'est encore le but de cette chaîne YouTube. Donc peut-être que ici sur YouTube, le nom ne changera pas, mais sur Facebook, il est déjà changé, et sur les services que j'offre, dans les commissions scolaires, les services de garde, et puis tout ça, c'est changé pour Miss Mantis aussi. Je vous laisse là-dessus, une petite musique de fond, et je vous reviens très bientôt.